Rebonsoir YouTube, comme tu peux le constater, nous sommes toujours sur la même session de jeu. Le même soir. Évidemment. Boule affreuse. Et donc nous continuons l'aventure tout de suite après ce que vous avez vu à la fin du dernier épisode, littéralement. Voilà, voilà. Rebonsoir YouTube de la part de Nina, de toute façon vous les voyez, les membres du chat. Attendez, parce qu'il y a un truc que je veux aller voir, moi. Où est-ce qu'elle est? Alors oui, déjà, oui, on va aller faire un petit tour là-haut. Pas tout de suite. Oh, j'avais pas vu ce tout petit passage. Parfait, ça. Oui, oui, il faudrait demander à YouTube ce qu'il en pense, bien sûr, mais bon... Eh ben voilà. Piou. Décharge. Je cherche la dame à la boutique, où qu'elle est. Là-bas derrière, il y a une zone, mais c'est celle que je viens de découvrir, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il me parle d'une zone inconnue ici, alors que je viens d'y aller? Il est bête ou quoi le jeu? Il est cassé ce jeu, non? C'est pas du tout la même zone, bravo moi. Je suppose que vous avez étudié le lemme de Seine. Oui, ma sœur. En fait, sœur. Alors, pouvez-vous m'expliquer le paradoxe du cinquième livre? Seine explore l'antinomie de l'élimination. C'est un paradoxe sur le caractère inéluctable des cycles. Continuez. L'illumination définit la mise en cycle. Et d'après le canon, la vivre signifie supérieur. Nice. Bon moment. Donnez-nous du secondaire, on aime ça. Ça fait rien, BD. On trouvera un autre moyen. Ouvrez! Quel enfer. Là-haut, il y a ça, c'est des zones du désert, du coup, c'est ça. Ça m'a l'air d'être ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trucs que je comprends pas encore tout à fait sur la map. Ce qui n'est point grave en somme. Par contre... Ah, elle est là-bas, derrière. À l'entrée, c'est ça? Oui, ça a l'air d'être ça. Par là-bas tu es, n'est-ce pas? Oui, tu es là. Salutations, Jedi. Je m'appelle Sœur Task. Moi, c'est Cal. C'est la sœur Tash. La nouvelle de votre arrivée s'est vite répandue, jeune noble. Maître Junda vous porte en haute estime. On a vécu beaucoup de choses, Serré et moi. Jeddah regorge d'artefacts perdus liés à votre ordre, parmi d'autres traditions. Si vous découvrez des parchemins ou tout autre objet digne d'intérêt, on va laisser parler, je vous les échangerai volontiers contre d'autres trésors que j'ai exhumés. Je vous dirai si je trouve quelque chose. Nous avons une dette envers vous. Je savais que cela vous plairait. Celui-là est fort particulier, n'est-ce pas? Nous avons quoi? Ah, mais c'est les trucs d'assemblage. Sérénité. Justice. Une rareté inestimable. Tempérance, sérénité. Et en bon état. Détachement. Assemblage, on s'en fiche. Tempérance. Sérénité. Je vais prendre ça. La sagesse que vous avez retrouvée est une bénédiction pour nous tous. Je vais prendre ça. Cet objet vous était destiné. Oui, cela vous va à merveille, jeune noble. Tempérance, tempérance. Justice, détachement. J'ai deux trucs en tempérance ici. J'ai besoin de ça. Merci. Vous avez sauvé un savoir inestimable.
un objet remarquable. Je choisis Allez. Ça. Voyons voir ce qu'on peut faire de Zoli avec tout ça. Alors... Sérénité. Oh, le justice est magnifique par contre, hein. Les couleurs, il y avait du rouge. Oui, mais ça venait pas du... C'est pas pour la lame. Ouais. Bof. Ouais, trop bof. Pour le coup, je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Alors... Qu'est-ce qu'on en pense avec les poignées blanches? J'aurai après, je vais regarder mon animé. Bah, bon animé à toi, Nina. Perso, ça passe pas trop. Tempérance, ça a l'air pas trop mal, mais je vous avoue. Ça, vraiment, je m'en remets pas de ce sabre-là. Il est sublime. Peut-être à la limite les embouts, bon. C'est sympa, faudrait juste changer la couleur. La couleur de la lame, tu parles? Oh! Ce blaster, les amis, il est gigantesque. Non, la peinture, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas le... T'aimes pas mon bois et golden? Je peux te mettre un truc dégueulasse, hein, si tu veux. Moi, je suis désolé, je ne me passe pas de mon bois, hein. Mon bois est or, je suis désolé, mais... Non. Ça fait plus trop bois en vrai. Bah si, c'est bois et or. Après, si vous voulez... On repart sur quelque chose de plus neutre et puis on refait quelque chose. Je trouve aussi qu'il y a trop de gold. Bah ouais, mais mon ref.
Ça te va mieux comme ça? C'est mieux comme ça? C'est moins goldé. Moi, ça m'embête. Ça, c'est tel qu'il était à l'origine. Il n'y a qu'un cran. Tout est en bois, il n'y a qu'un cran qui est en golden. C'est le prix, c'est le secondaire, je comprends pas. Là, ouais, bon, bah écoute, on va remettre. Voilà. Comme ça lui va? Oh, c'est horrible, hein, c'est horrible, hein. Ça, à la limite. Ouais, voilà. Là, à la limite, bon, ok, quoi. Allez, ne traînons pas plus, ça fait déjà 12 minutes qu'on n'en branle pas une. Je dois me recentrer. Allez! C'est parti. On n'a pas pu sauver Hermias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux? Ils nous ont pas suivis. Hé, le ferrailleur. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova, vous avez trouvé comment traverser l'abysse? Non. Mais vous peut-être, Cal. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abyss. Centauri Cree menait l'équipe de recherche. Ces Z à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'Abyss furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Cree a inventé les compas de l'Abyss pour guider les autres vers Tanalor. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi, je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'Abyss? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligents. Submergée, la République a abandonné Tanalor. Et le Conseil Jedi a ordonné à Cree de détruire les compas. La Gamgera a refusé et s'est rebellée contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que... Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalor. Peut-être que oui, jeune Jedi. Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont trop endommagés. Cependant, les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Et vous pensez qu'on peut en retrouver un? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher. Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cette ère. Quelle ère? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage? Enfin, Gris pourrait aménager le Mantis, pour vous tous. Non.
Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Cordova ? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jeddah avec Ceré. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations où que ce voyage vous mène. Ne me dis rien. Tu restes aussi ? Non. Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était... unique. Des survivants. Combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos familles. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Comme Ceré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. Rendez-vous sur le Mantis, sœur de la nuit. Oh, il siffle le droïde, le non-respect. Cherchez le compas sur Kobo. On retourne là-bas de nouveau ? Eh ben, la chute de Dagan Gera. Ok. Eh ben, allons-y dans ce cas. Ah bah ça y est, ils l'ont enfin. Attendez parce que... Hip. Il y a un truc que j'ai raté. Ah ouais, on en a des trucs là qui se rajoutent dans la bordel. Hein. Je pensais qu'il y avait rien ici, mais en fait si. Il y a un accès à un troisième étage. Oh, regardez, hop là. Il faudra montrer ça aux Anachorètes. C'est tout ? Vous déconnez, il peut pas y avoir que ça à cet étage. En haut. Il y en a encore un là. Eh, pas mal. Et il y a un truc là-bas. Pas un coffre, rien ? Non, par contre ici il y a un truc. Ouais, pour YouTube, je ferai cet épisode un petit peu plus long parce qu'on a passé quand même la bonne moitié de l'épisode. Ah, ça c'est cool. On a passé quand même la moitié de l'épisode là. Allez, c'est parti. C'est bon là ? Bon, j'imagine qu'il y a plein d'autres accès que je n'ai pas encore visités, mais enfin. Pour le moment, je ne peux rien faire d'autre. Allons-y. Attendez, je vais désactiver un truc parce que ça me rend fou là. C'est déjà mieux, c'est moins, il y a moins de grains, il y a moins de trucs chelous. C'est déjà mieux, ouais. Allez, c'est parti. On se tire. Là, te voilà. Le Mantis est réglé à la perfection et prêt à partir. Alors, où on va ? On retourne sur Kobo. Il y a un compas spécial qu'il nous faut pour traverser l'abysse. Un compas ? Bon, d'accord, ça marche. Vous êtes toujours là, le chat ? Oh. Et Mérine vient avec nous. Hein ? Quoi ? Mérine vient avec nous ? Et pourquoi tu me l'as pas dit ? J'aurais pu ranger un peu ! Ah bah bravo ! Eh ouais. Maintenant que Mérine est avec nous, on peut peut-être passer sur Coruscant.
Ah, on peut retourner à Coruscant. Ah. YouTube, est-ce que vous voulez un épisode secondaire? Est-ce que ça va être un épisode secondaire? Pourquoi pas en vrai? Plutôt que de toujours foncer dans le tas, nani, naner. Pourquoi pas un petit épisode secondaire où on retourne sur Coruscant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat? Vous voulez absolument la suite de l'histoire ou on fait un peu de secondaire là? De toute façon, l'épisode il en est à 20 minutes. Est-ce qu'on finirait pas sur du secondaire là, le temps qui nous reste? Il y a plein de trucs ouvrables là maintenant. Il y a plein de trucs à récupérer là, du coup là, regardez. Plein de trucs à récup sur Coruscant. Est-ce qu'on irait finir de récupérer ça? Chat. Trois objets à collectionner. Alors le chat du coup. Va-t-on récupérer ce qu'il nous manque? J'attends une réponse, moi. Est-ce qu'on va vider la planète? Moi, j'ai bien envie d'aller terminer la planète en vrai. Prêt à t'envoler? Alors, le chat Twitch. Allez, ça part en secondaire, vous voulez pas répondre. Ça part. C'est quoi cette odeur? L'odeur? Quelle odeur? On mangerait par terre dans ce vaisseau. Mais évitez, hein? Je veux qu'il reste propre. Je sens une odeur aussi. C'est une blague? Oh, ça doit être Cal. Il faut toujours qu'il traque des trucs et revienne avec des droïdes bizarres. Et cette nuit, je suis même pas certain qu'il est là. Regardez ces ponchos. On devrait les brûler. Tu sais quoi? T'as raison. On devrait. Waouh. C'est vite parti en sucette. Je vais rester avec cette tenue, je l'aime beaucoup trop. On approche de notre destination. Coruscant, mesdames, messieurs, Coruscant. Allez. Yeet. Sacré trou. Alors, par où on commence à aller? Déjà, on va aller récupérer ce point de médiation pour se TP. Ici. Au début, il n'y a rien qu'on ait raté, pas une grille, rien que dalle. C'est tout dans la deuxième zone, donc idéalement, c'est ici qu'il faudrait que je me TP en fait. Ouais, je vais me TP à cet endroit-là du coup. Ferme. Allez, l'ennemi est ici. Je veux sa trompette. C'est bien. J'ai bougé. Comment ton regard? Wow. Je trouve pas. Je passerai jamais sa garde. Bouge plus. À la
attaque, vite! J'ai touché! Probabilité de mort. Blessure infligée. Wow! Ouais, ok, donc cette grande lame, définitivement pas pour moi. Ce grand machin, c'est définitivement pas pour moi. Et y avait pas un point de TP ici? Ok, un tout petit peu plus loin derrière la porte. Je t'avais pas scanné, toi. Bah tiens. Il faut que je me concentre. Y'a pas moyen, cette lame, la grande lame, je la trouve trop lente, je peux pas. Posture. Résilience, jauge de blocage augmentée. Dégâts de jauge de blocage. Le problème c'est que je peux rien caler d'autre pour le moment. Je devais me TP ici. Je vous le ferai un peu plus long vu que c'est du secondaire YouTube. Vous aurez un petit peu plus de l'épisode. Ok, je vois où est-ce que je suis. Il faut que j'aille... par là-bas. Hein ? Mais il n'y a pas de passage par là. Parce que je suis un immense crétin qui ne sait pas se repérer sur une map. Alors, ça vous a plu ? Pas idée à quel point je viens de stresser, il y a eu un espèce de micro lag horrible, il met un micro freeze infâme. Viens.
Nickel. Et un raccourci débloqué, hein. Donc maintenant on va se rendre là. Parce qu'il y a des trucs là derrière. Je sais où c'est, je m'en souviens. Et il y a des trucs après par la suite. Oui, oui, oui. Attends, 30 secondes, je vérifie. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, il s'est pas du tout téléporté à l'autre bout, c'est génial. C'est absolument magnifique et génial. Du coup, oui, j'ai le bon chemin, c'est bien par là-bas. Point de comp, nice. Hop. Allez, let's go. Un peu de secondaire là, ça fera de mal à personne. Oui, en effet, la pause est terminée. Ici. Ah, nice. Essence de force again. Allez, suivant. Sérieux, c'était tout pour des raccourcis nuls? Ah oui, exploration 100%. Et y'a aucun secondaire dans le coin, genre. Étrange, c'est tout de même. Y'a rien à faire. Y'a rien, sans déconner, pas un coffre, que dalle. J'ai tout poncé sur la planète. Quel enfer. Sans déconner, c'est triste. Bon, on va se bouger de là, hein.
Il semble qu'on ait exploré toute la planète, alors on va bouger. Ben non, là au hangar il reste des trucs. 100% là-haut. 100%, 83%. Voilà, je sais pas ce que j'ai raté, mais bon, écoutez, je fignolerai ça de mon côté, tranquillou, pour le moment, bon. Pour le moment, on bouge. De toute façon, on va s'arrêter là pour YouTube.